هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. Pour moi, ce résultat, nomination en tant que coach de la saison 2022-2023, c'est un honneur pour moi, mais c'est le fruit d'un travail d'équipe. On a une bonne équipe de travail, un bon staff technique, un bon staff médical, un président qui nous prépare les conditions. Bon, cette nomination, c'est pour moi, c'est un honneur d'abord. Après, c'est le fruit d'un travail de toute une saison de l'équipe qu'on a formée, un bon staff technique composé de compétences et de personnes de valeur, un président qui nous prépare les conditions de travail, une administration qui nous supporte des joueurs de valeur, des joueurs qui ont contribué à ce succès sont les vrais acteurs. Je les remercie beaucoup parce que la saison était longue, était dure. Alhamdoulilah, on a terminé troisième. Ça nous donne l'accès à la représentation du Maroc pour la Confédération, la Coupe de la Confédération. C'est une autre page dans l'histoire de l'équipe. Et on est toujours en course pour la Coupe du Trône. J'espère, Inch'Allah, qu'on la remportera pour que ça soit le succès vraiment de cette saison qui était longue, mais qui était vraiment riche en expérience et en solidarité de toutes les composantes de l'équipe. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.